À la mort de son père, Louis n'a que 5 ans. Il est trop jeune pour diriger le pays. C'est sa mère, aidée par le cardinal Mazarin, qui assure cette tâche à sa place. Mais il faut trouver de l'argent pour faire la guerre. Et cela met beaucoup de gens en colère. Les nobles, les parlementaires et le peuple se révoltent. C'est la Fronde.